une nouvelle frontière et un cessez-le-feu très précaire, tant l'envie de revanche est forte chez les chrétiens d'Arménie. Ces terres ont toujours été à nous. On va se battre et on va gagner pour les libérer de l'ennemi. Ce sont des terres saintes arméniennes. Chaque village, chaque parcelle nous appartient depuis des millénaires. Ils ont du mal à quitter l'uniforme, fiers d'arborer la croix d'Arménie. C'est la perte la plus symbolique et certainement la plus douloureuse pour les soldats de la croix. Le monastère de Dadivank, construit entre le 9e et le 13e siècle, l'un des sites les plus précieux de l'église apostolique arménienne, est passé du côté ennemi. Comment on peut abandonner ça ? Poser un cierge et prier une dernière fois avant de quitter définitivement les lieux,